Bonjour chers élèves de la classe EB5, vous allez bien? Aujourd'hui, on va apprendre le lexique de déchets et de la pollution. Suivez avec moi. D'abord, que signifie le mot déchet? Qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé et qui est sans valeur. On a des synonymes comme ordure, saleté, débris, résidus. Voilà quelques dessins de déchets. Maintenant, on va passer aux noms importants à retenir et à apprendre sur ce thème. D'abord, commençons par les différents types de déchets. Les déchets résiduels et alimentaires, exemple, comme la peau de banane, le reste de pomme. Puis, les déchets recyclables, qu'on peut recycler plus tard. Exemple, le papier. Les journaux. Les boîtes de conserve métalliques. Canette. Les bouteilles en plastique. Les assiettes. Les bouteilles en verre. Le tri de déchets. Voilà le tri de déchets. Le recyclage. Maintenant, on va passer aux adjectifs à retenir et à apprendre sur ce thème. Les adjectifs. Polluer. Sale. Propre. Recyclable. Recyclable. Les verbes à apprendre sur ce thème. Recycler, jeter, salir, maintenant on va passer aux phrases clés et importantes dans le thème des déchets. Jeter par terre, jeter les déchets par terre. Jeter à la poubelle, jeter les déchets à la poubelle. Pourquoi trier les déchets? Pour lutter contre la pollution. Pour protéger l'environnement. Et finalement, pour fabriquer des nouveaux objets dans les usines. Merci.